Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam on undervolt. Roger, main beam undervolt. Okay, stand by, 13, we're looking at it. Les astronautes, et puis finalement, avec la télécommande. La télécommande on lance. Voilà. Mmh. Eh, c'est pas une voiture téléguidée, hein, c'est une fusée. Hein. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute particulière, la première EVA réalisée par un taïkonaute depuis de nombreuses années. Et au passage, je remercie Monsieur Wu pour cet excellent moment que nous avons passé en direct le 17 juin dernier pour le lancement de Shenzhou 12. Rappelez-vous, les trois taïkonautes avaient atteint sans problème la nouvelle station spatiale chinoise. Quelques semaines après leur arrivée, une première EVA avait eu lieu, qui s'est également déroulée sans le moindre souci. Au passage, je remercie également Julien pour m'avoir obtenu ces images. Sur ce, je vous laisse avec quelques extraits de cette première sortie extravéhiculaire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. De petits gestes qui signifient beaucoup pour cette mission spatiale habitée, alors que les taïkonautes qui sont arrivés à la station spatiale le mois dernier se sont aventurés pour la première fois dimanche matin dans une marche dans l'espace prolongé. Une de leurs premières tâches du jour, installer plus haut une caméra panoramique. Auparavant, la caméra était installée dans une position plus basse, donc l'angle de vue était limité. Et désormais, comme la mission l'exige, les caméras doivent offrir un angle plus large, et cette fois, les taïkonautes apportent un support pour cela. Un autre élément majeur de cette mission, manœuvrer un bras robotique. Notre surveillance ici dans l'espace est encore limitée. Nous avons donc besoin que le taïkonaute dans la capsule communique avec les deux autres en charge de la marche spatiale. Celui à l'intérieur peut contrôler grâce à la simulation d'image. Les taïkonautes portent également une combinaison de nouvelle génération développée dans le pays et adaptée à la sortie hors du véhicule pour cette mission. La dernière fois que les taïkonautes ont mené une marche dans l'espace, c'était il y a 13 ans, en 2008, et la marche avait duré moins de 20 minutes. Et Liu Boming et Zhai Zhegang furent les deux à effectuer la première marche dans l'espace pour la Chine.